Alors, un petit vlog très rapide aujourd'hui. Voilà, je vais pas m'embêter à faire quelque chose de très compliqué ou autre. C'est juste un simple vlog pour vous parler, vous donner les prochaines vidéos qui vont peut-être venir, je sais pas encore. Les tags que j'hésite un peu à faire, etc. Ou comment ça va se passer. Alors, pour le moment, déjà, je commence ma chaîne, du coup, j'ai tendance à publier pas mal de vidéos à la suite. Voire plusieurs dans la même semaine, et je reprends les cours lundi. Pour moi ça va être un semestre assez tendu vu que j'aurai beaucoup d'heures de cours avec des matières très difficiles que je n'aime pas spécialement, voire pas du tout. Donc dans l'immédiat je pense faire une vidéo par semaine, et encore je sais pas trop, mais ouais, une vidéo par semaine ça me semble pas si mal pour le début. Voilà, après pour tout ce qui est vidéo, j'hésite à vous faire des tags encore une fois, j'hésite à vous faire des maquillages, les maquillages notamment parce que j'ai pas le retour caméra et du coup c'est vraiment chiant de faire la mise au point manuelle, de bien viser etc, de bien montrer à la caméra comment ça se passe, enfin je sais pas, ça me... Il y a quelque chose qui fait que ça me... Ça me fait bizarre et j'ai pas trop envie d'en faire pour le moment, mais je verrai plus tard. Alors dans les prochaines vidéos, je vais essayer de vous parler de mes basiques beauté, mes basiques mode. Voilà. Je vais essayer de vous faire le tutoriel coiffure que j'avais fait pour un mariage cet été, qui est très joli. En même temps, je vous présenterai ma tenue, comme ça, voilà, si vous avez des mariages prochainement. Alors certes, c'était cet été, donc c'est un peu tard, mais tant pis, voilà, je vous la fais quand même. Ça peut toujours servir pour plus tard, je sais pas. Alors j'ai ma liste de choses à dire un peu sur l'ordinateur, voilà. Je ferai peut-être un lookbook de rentrée, mais je demanderai l'aide de quelqu'un pour filmer, je pense, peut-être faire ça en extérieur ou autre. Mais ouais, je vous ferai peut-être un lookbook de rentrée, faut voir. Alors, j'hésite aussi ces derniers temps à faire des vidéos avec mon petit ami pour faire notamment des tags boyfriend, le boyfriend tag, le my boyfriend does my makeup, ou alors le tag beauty test tag de boyfriend. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça bien ou pas, si c'est des vidéos que vous aimeriez voir, si j'en oublie, voilà, n'hésitez pas. Ensuite j'hésite énormément à faire des tags de musique, donc notamment le tag Sing My Life, parce que je sais pas, j'ai peur que j'aime pas le rendu en vidéo, et pareil pour le tag La Chanson Qui, clairement le tag est complètement prêt, je sais les questions, j'ai déjà préparé une playlist, mais en même temps je sais pas trop comment présenter ça, et en plus de ça je sais pas non plus... Enfin, je trouve que c'est galère avec YouTube de mettre des extraits de musique, etc. C'est compliqué, voilà. Je sais pas si je ferai ces vidéos-là. J'ai tourné déjà la vidéo de mes favoris du mois d'août et de mes flops. Il me manque quelques passages avec quelques produits sur les favoris, donc j'attends de ramener ces produits ici pour vous les filmer, et après je publierai la vidéo. Voilà, la vidéo flop, il faut juste que je la monte encore. Et pareil pour... Alors, je vous avais parlé d'une vidéo room tour, et je sais que c'est ce qui est le plus demandé sur le blog pour le moment. C'est difficile. Alors en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il faut que je range complètement ma chambre, et je pense le tourner par petits morceaux, parce que... je me dis que ma chambre ne sera jamais rangée complètement, ou du moins assez pour faire un room tour. Donc voilà, ça va être un peu long, il y aura un peu de délai, mais j'essaie de vous le tourner progressivement quand même. J'hésite notamment à vous faire une vidéo wishlist du moment. Je me dis, c'est peut-être mieux de la faire au début quand on n'a pas trop d'abonnés. En fait, je devrais même plus appeler cette vidéo les produits qui me tentent en fait, voilà, mais que je n'ai pas sauté le pas encore. Parce qu'en fait, tant que j'ai pas trop d'abonnés, en fait, je vais pas recevoir de cadeaux, etc. Je ferai pas de meeting, donc ce sera moins gênant que, par exemple, si Enjoy Phoenix demain faisait une vidéo wishlist les produits que
J'hésite à avoir, que j'aimerais avoir, que j'ai repéré. C'est sûr qu'il y aurait 30 milliards de filles qui lui enverraient des cadeaux, etc. Et ce serait gênant pour elle, et j'ai pas envie de tomber là-dedans. Du coup, je me dis, quitte à faire ce genre de vidéo, vous parler de mes envies du moment. D'ailleurs, je devrais peut-être appeler ça comme ça, mes envies du moment. Je verrai. Mais je vais le noter quand même. Voilà. Je me dis que ce serait pas mal en fait. Enfin, c'est une vidéo qui me plairait de vous faire, de vous parler de produits que j'ai pas, mais que j'aimerais avoir. Pourquoi ça me tente? Pourquoi ça me tente moins? Qu'est-ce qui m'a pas fait. Qu'est-ce qui m'a pas provoqué l'achat par exemple? Ouais, voilà. Et par exemple, je pourrais autant recevoir vos conseils de si vous l'avez déjà acheté ou autre, si éventuellement vous avez un produit similaire mais qui vous convient très bien. Ça m'intéresserait tout autant. Donc voilà. Les hauls, j'essaierai de vous en faire souvent parce que j'aime bien les hauls. C'est un truc qui me plaît bien. Alors c'est parfois très chiant à tourner. Personnellement, je suis pas très contente de comment j'ai tourné la première vidéo haul beauté, pardon. Et je suis très contente de la vidéo haul mode, par exemple. Voilà. J'essaierai de les faire plus comme ça d'ailleurs maintenant parce que c'est plus simple, ça prend moins de temps à tourner et à regarder la vidéo, donc du coup c'est plus agréable. Et il y a moins de choses du genre il faut que je fasse le focus, etc. Non, si je filme, je le fais d'office et ça crée rarement de problèmes. Ensuite, j'essaierai de vous faire plusieurs tutoriels coiffure éventuellement. C'est quelque chose qui me paraît plus simple que les tutoriels maquillage. Je verrai, voilà. J'essaierai peut-être de vous faire des vlogs réguliers par rapport de voilà, si j'ai des choses à dire, vous en parler tout simplement. Voilà, si. Je ferais peut-être même mes sorties du moment qui étaient chouettes. Ça peut vous donner des idées de sorties ou de choses du moment qui sont à faire s'il y a un festival, etc. En parlant de ça, je sais que je publie cette vidéo un peu tard, mais depuis hier, il y a le festival de Chariot en scène qui se déroule à Satenay-Camp, auquel je vais jouer justement. Donc voilà, c'est pas loin de Lyon, il y a 8 minutes de train ou alors on peut y aller en bus avec les TCL. Donc s'il y a des gens sur Lyon qui me regardent et qui voudraient y aller, n'hésitez pas. Pour ce qui est de mon rangement maquillage, alors en fait je pense que ça fera partie de mon room tour qui sera un peu plus long, mais voilà, j'ai pas de rangement spécifique précis. J'ai juste un portant avec. Je sais pas, un portant avec des petits. Vous verrez ça en fait. Voilà, c'est plus simple parce que je vais pas arriver à le décrire. Alors sinon, je réfléchis à qu'est-ce que je vais faire de spécial sur ma chaîne. Donc j'essaie de réfléchir à des vidéos un peu plus particulières qui se voient beaucoup moins ailleurs. Donc tout ça c'est en réflexion encore. Voilà, je cherche encore des idées, plein d'idées. Je sais pas si je vais vous faire une vidéo faire sa valise. En sachant que je pars plus en vacances et que c'est plus trop le moment des vacances, mais je sais pas. En fait, j'ai du mal à tourner cette vidéo, j'avais essayé. Vous allez rire à moi, pas. La caméra a coupé bah, quand je parlais de ça en fait, et j'ai dit plein de choses après, du coup, non, je m'en souviens plus, c'est génial. J'en étais à faire une vidéo sur ma valise, hein, c'est ça, ouais. Et du coup, je sais pas trop si je la ferai ou pas. Peut-être plus tard pour les vacances de Noël. Peut-être les vacances de Noël avec mes cadeaux de Noël, etc. Enfin, je verrai. Et si, une chose aussi, je fais un vlog, mais je vous ferai une vidéo sur. Sur. Ah, c'est dur. Je vous ferai une vidéo sur les cadeaux, enfin le cadeau de Noël que j'offre à mon petit ami qui n'aura absolument du coup pas le droit de voir cette vidéo, hein mon chéri? Voilà, c'est mort, tu oublies, hein, tu ne verras pas ton cadeau de Noël en avance, tu oublies. Qui est actuellement chez moi, qui est d'abord en construction, voilà. C'est un truc en rapport un peu avec les chaînes de mode et beauté, et c'est en regardant des vidéos en fait que ça m'a donné l'idée, donc voilà. Je sais pas si vous devinez ce que je veux dire ou ce que je vais faire, mais je trouvais que c'était vachement sympa. Et voilà, je vous montrerai tout ça dans une vidéo quand j'aurai un peu plus avancé, qu'on sera pas trop loin de Noël, genre allez, fin novembre, début décembre, maximum, je pense. Ah, je peux rajouter ça aussi. Il faut que j'y pense. Je me donne des idées tout le temps, c'est génial. Bref, voilà. Donc cette vidéo est terminée, voilà. Je vous ferai des vlogs assez souvent, peut-être, je sais pas trop. Quand j'aurai des choses à dire, en fait, voilà, je les dirai tout simplement. Et même si je fais pas de vidéo, comme ça me
te laisse un contact direct et je trouve ça chouette, voilà, de pouvoir dire ce qu'on pense directement. Voilà, peut-être aussi faire des vidéos qui ont rien à voir, genre sur certains sujets de la vie quotidienne dont j'ai envie de parler. Voilà, les livres que j'ai lus, les choses à vous recommander. Je ferais peut-être une revue sur les livres que j'ai lus. J'ai envie de faire ça. Voilà, je me donne des idées toute seule, encore une fois, c'est génial. Voilà, donc je vous laisse passer un bon restant de journée, voilà, ou un bon début de journée, je sais pas, une bonne nuit, une bonne matinée, un bon sommeil, voilà, j'en sais rien. Faites comme vous voulez. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut!